de Malika Doré chez Loulou et compagnie. Il était un père crocodile qui avait un enfant terrible qui hurlait à chaque fois qu'il voulait manger. Ce cri est vraiment terrible, disait son père crocodile. Si bien qu'un jour, ce père crocodile en eut assez. Je ne peux pas te préparer à manger en t'entendant hurler ainsi. Alors, hop, le père crocodile emporta le terrible petit crocodile chez la fourmi voisine. Mais chez la fourmi voisine, le terrible petit crocodile continuait de crier. Et la fourmi n'avait rien à lui donner à manger. Alors, hop, la fourmi appela une souris taxi. Allô, oui, ici la fourmi, je voudrais une souris taxi. Alors, hop, la souris taxi emmena sans retard le terrible petit crocodile chez le renard. Et hop, dit la souris taxi. Mais chez le renard, le terrible petit crocodile continuait de hurler et le renard n'avait rien à lui donner à manger. Alors hop, le renard emmena le terrible petit crocodile chez le plus beau et le plus grand, j'ai nommé l'éléphant. Mais l'éléphant n'avait rien à lui donner à manger et le terrible petit crocodile continuait de hurler. Alors hop, l'éléphant envoya par avion le terrible petit crocodile au Brésil. Et au Brésil, qui le terrible petit crocodile retrouva-t-il ? Son papa ! Son merveilleux papa qui venait de terminer de lui réchauffer son lait. Alors hop, le terrible petit crocodile eut son biberon et il devint très très mignon. Tout le monde fut alors dûment remercié. Alors hop, le pique-nique put commencer. Et hop, dit le petit crocodile.